Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de Kramik. Cette recette, l'essayer, c'est l'adopter. Donc, bonne de petits vénards. Voilà, tous les ingrédients sont dans la cuve. On pétrit, ben, comme d'habitude, jusque décollement de la pâte. Voilà, pâte pétrie. Donc, 1 heure de fermentation avec 3 rabats, puis au frais la nuit. Donc, la pâte sort du frigo et on va venir y incorporer 100 g de sucre perlé ainsi que 100 g de raisin sec. Voilà, la Kramik est façonnée. Donc nous allons la mettre en pousse à température ambiante pour au moins 2 heures. Donc la Kramik a poussé. Donc je vais la mettre au four à 170 degrés pendant 40 minutes. Mais juste avant, on va. Voilà, pour qu'il y ait un développement vers le haut. Voilà. Voilà, comme on a dit, 170 degrés pendant 40 minutes. Donc voilà, la Kramik est cuite. Bien sûr, j'ai enlevé les petits pratiquement à mi-cuisson. Sinon, Kramik bien cuite et succulente. Voilà, testé et approuvé. Impeccable bien.